Ah, super, super. Ah, je vois que Anne est là. Génial. Alors, je vais mettre mon téléphone ici sur silence et même sur avion. Ah, ça marche. Alors, aujourd'hui, eh bien, je suis super contente de faire ce Facebook Live ici. C'est un petit peu un changement de procédé pour moi, puisque habituellement, en fait, je communique avec des minutes de Mano, avec des articles, etc. Et ça fait un petit temps que je parle avec ma communauté, en fait, de passer en live sur Facebook. Et puis là, je me suis retrouvée, en fait, au pied du mur, puisque Google a bloqué mes mails et donc. Depuis quelques jours, j'étais en incapacité de communiquer avec ma communauté. Et du coup, c'est l'opportunité que je prends de pouvoir commencer les Facebook Live. Et donc, je vais un petit peu regarder là ce qu'il en est. Hello! Ah, Fabienne est là aussi! Super! Et Doug aussi! Super! Ça me fait plaisir de vous voir. Alors aujourd'hui, voilà, on va discuter un petit peu ensemble de trois points qui sont indispensables pour garder la tête hors de l'eau au bureau, mais aussi à la maison, d'accord? Et vous créer un moral d'acier, parce que ça, c'est vraiment super important. Alors, en quoi ce type d'objectif est important et quelle est la raison pour laquelle moi, je traite ce type de sujet-là? Eh bien, tout simplement, d'abord, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis Manuel van der Straten et je suis coach pour femmes actives débordées qui décident de reprendre le lead de leur vie et qui bannissent le burn-out. Alors, en d'autres mots, je suis spécialisée dans le bien-être au travail et la prévention du burn-out. Donc, on va voir ensemble donc trois choses indispensables pour garder la tête hors de l'eau au bureau et à la maison, hein, et vous créer un moral d'acier. Alors, ah, je vois que Doug me fait un petit bonjour aussi. Donc, je propose qu'on rentre dans le vif du sujet tout de suite. Et lorsque vous êtes débordé au boulot, parfois ou souvent vous êtes dépassé, peut-être que vous êtes en sous-effectif aussi au bureau pour cause de vacances, pour cause de maladie, pour cause de maladie des collègues, pour cause de maladie longue durée, pour cause de burn-out aussi. Et peut-être en fait que si vous êtes, si vous avez l'impression que vous êtes en train de couler aussi, peut-être que vous êtes fort engagé dans votre fonction et que vous avez tendance à être perfectionniste. Et il y a fort à parier que par moment, vous allez sans doute perdre pied. Et puis peut-être que vous vivez aussi des moments de frustration au bureau et que vous ne vous sentez pas toujours reconnu par vos pairs et par votre hiérarchie. Alors, s'il y en a parmi vous qui êtes patron ou chef d'entreprise ou indépendant, peut-être que vous êtes à la fois capitaine, moussaillon et pompier au sein de votre entreprise. Alors, il y a un truc qui est très, très important, c'est souvent quand on se laisse déborder, eh bien, on perd tout contrôle, on perd tout repère, etc. et ça devient compliqué. C'est déjà la première chose, c'est de vous dire, OK, vous pouvez décider que c'est vous qui contrôlez, que vous pouvez en tout cas contrôler vos décisions, contrôler ce que vous pouvez contrôler. D'accord? Alors, dans nos trois choses indispensables pour garder la tête hors de l'eau au bureau et vous créer un moral d'acier, la première chose que je vous propose de faire, c'est déjà de vous poser pendant 10-15 minutes au calme et de faire une liste de priorités. Alors, il y en a qui vont me dire, oui, mais il n'y a rien de neuf là-dedans, des to-do, on en fait, etc. Mais ce n'est pas faire une to-do, en fait. C'est vraiment lister vos priorités de la journée, vos priorités de la semaine, et puis vos priorités du mois. Et on va voir un petit peu plus en détail ensemble quels sont les types de priorités qu'il va falloir se mettre, en fait. Alors, il y a trois types de priorités que vous pouvez, que vous allez identifier. La première, ce qui est urgent et important, donc ce que vous allez traiter vous-même et en priorité. Ensuite, ce qui n'est pas urgent mais important,
ce qui sera à traiter rapidement et qui peut être délégué, et puis ce qui est urgent et pas important. Et donc, ce qui est urgent et pas important, ça peut attendre, mais ça peut être délégué aussi. Alors, il y a un point qui est important aussi, je vais souvent répéter le mot « important » ici, puisqu'il est indispensable, c'est que les tâches qui ne sont pas urgentes mais importantes sont celles pour lesquelles souvent on procrastine. D'accord ? Donc, on remet à plus tard, on se dit « oui, mais ça, je peux faire demain, ça, je peux faire la semaine prochaine, etc. » Et bien souvent, on va prendre ces tâches-là dans son agenda et les prendre en bloc et hop, les mettre au lendemain et hop, et les mettre à la semaine prochaine parce qu'on n'a plus le temps nécessaire. Et donc, et à un moment donné, eh bien, elles vont passer de « pas urgent » mais « importante » à « urgente » et « importante ». Et donc, il va falloir faire le pompier, ça va être le stress, etc., etc. Et puis, si on est proche des délais, c'est un peu la cata. Alors, pourquoi est-ce qu'on procrastine sur ces tâches-là? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'on ne voit pas le bénéfice immédiat, en fait. Exemple, ranger son bureau. On peut se dire, ben, j'ai d'autres choses à faire, j'ai d'autres priorités, sauf qu'avec tout le bazar qui s'amoncelle, eh bien, peut-être que on n'a pas une vision claire sur où sont les dossiers, etc., ou ce qu'on doit faire en priorité, ok? Un autre exemple serait appeler un client pour savoir s'il est satisfait de votre service. C'est important, oui, mais peut-être que ce n'est pas urgent. Et donc, au plus vous allez reporter, à un moment donné, peut-être que vous allez vivre une frustration parce que vous n'aurez pas l'info, d'accord ? Appeler un fournisseur parce qu'il va manquer un article dans la livraison que vous avez reçue, même si c'est une livraison Amazon. Bon, c'est un peu contraignant parce qu'il faut aller chercher les infos sur le site, etc. Mais voilà, votre livraison, elle n'est pas complète et peut-être que vous avez été facturé pour la totalité. D'accord ? Demandez une note de crédit aussi. Ce n'est pas urgent, mais c'est important parce que sinon, c'est de l'argent que vous ne récupérez pas. D'accord ? Et pour ça, ce que moi, je vais vous proposer, pour pouvoir en fait sortir la tête hors de l'eau ou en tout cas garder la tête hors de l'eau avec l'objectif de pouvoir avoir tout le corps hors de l'eau, d'accord ? Ça va être de choisir quelle est la tâche urgente et importante que vous allez traiter en premier, d'accord ? Celle qui avant était importante, mais pas urgente. Mais bon, elle a switché en tâche urgente et importante. Et donc, quelle est celle que vous allez traiter en premier? Et puis, vous allez choisir quelles deux tâches, pas urgentes, mais importantes, vous allez traiter ensuite pour pouvoir vous en débarrasser. D'accord? Alors, si c'est vous qui allez traiter ça, pour les deux tâches urgentes, pas urgentes, mais importantes, ou bien si vous allez les déléguer et de voir, d'avoir du feedback de quand ça va être fait pour éviter que ça passe en urgent et important et que vous deviez le faire vous-même. Et pour ces trois tâches-là, s'il le faut, si vous travaillez en open space, eh bien, sentez-vous libre d'aller vous isoler pendant 30 minutes, pendant une heure, booker une salle de réunion ou un endroit plus calme. S'il n'y a pas moyen de le faire, eh bien, peut-être que vous pourriez mettre un casque sur vos oreilles. Vous savez, il y a des casques anti-bruit maintenant ou anti-bruit de fond aussi pour pouvoir justement vous isoler et ne pas être dérangé par les commentaires de Ginette, d'une autre collègue qui vient vous déranger pour rien ou tout simplement d'écouter la conversation des voisins qui sont peut-être pas très importants et pas très intéressants pour vous. Ok ? Alors ça va être vraiment le point 1, donc vraiment d'identifier ce qui est urgent et important, ce qui n'est pas urgent et mais important, et ce qui est urgent et pas important qui peut attendre. Donc du coup, eh bien, dans votre planning, vous allez mettre ça quand ? Pendant la semaine ou la semaine prochaine ou durant le mois, etc. Mais vous gardez tout ça bien en tête pour éviter que ça passe dans la case du dessus, d'accord ? Que ce qui est urgent et pas important devienne urgent et important et que de nouveau, il faille faire le pompier. Ok ? Est-ce que c'est clair pour vous ? Je vais un petit peu regarder. Ah, je vois qu'il y a Ninou, Virginie Pringier, qui est de Singapour en plus. Ah, ça me fait plaisir aussi, super. Alors,
Est-ce qu'il y a des petites, est-ce que vous avez des questions par rapport à ce que je vous explique par rapport aux priorités? Je vais un petit peu regarder là les commentaires. Et puis, si vous regardez ce live en différé et que vous avez des questions, notez-les dans les commentaires aussi parce que je viendrai bien sûr répondre à vos interrogations, à vos commentaires avec grand plaisir. OK? Ah, super. Merci Anne qui me dit qu'elle vient de partager son live sur sa page. C'est top. Si vous avez envie de partager le live aussi sur votre page pour qu'il y ait d'autres personnes qui puissent bénéficier de tout ceci, eh bien, sentez-vous libre de le faire. Ça me ferait plaisir aussi. OK. Alors, on va continuer, hein. Donc, vous n'oubliez pas que c'est vous qui décidez, que c'est vous qui contrôlez. D'accord? Et puis, parmi ces fameuses priorités que vous avez identifiées au point 1, eh bien, vous allez identifier quelles sont celles qui sont à haute valeur ajoutée pour vous. Alors, en quoi est-ce que il y a des tâches qui sont à haute valeur ajoutée pour vous? Et là-dessus, je voudrais faire un point sur cette fameuse loi de Pareto, hein, le 20-80, qui dit que 20% de vos actions découlent sur 80% de vos résultats. Donc, 20% de vos actions découlent sur 80% de vos résultats. Et donc, à partir du moment où vous aurez fait le tri en amont sur le point 1, vous allez pouvoir vraiment vous rendre compte à côté de vous mettre quelles sont les tâches à haute valeur ajoutée, qu'est-ce qui a un effet de levier vraiment supérieur pour vous et ce sur quoi vous allez pouvoir focaliser votre attention. Quand vous avez identifié les tâches qui sont à haute valeur ajoutée pour vous, eh bien là-dedans, je vais vous proposer de travailler par lot, d'accord? De regrouper les tâches par type. Et donc, ça pourrait être… alors, je vais vous donner des exemples. Si vous êtes au bureau, ce sont des tâches que vous devez faire pour le bureau, ça va être rédiger des offres, d'accord? Donc, vous les regroupez. Si vous tournez des vidéos, eh bien, ça va être tourner les vidéos par lot, d'accord? Si ça va être répondre à vos mails, eh bien, ouvrez vos mails une fois le matin, une demi-heure, une fois l'après-midi, 30 minutes aussi. Ça va vous éviter, en fait, d'avoir tout le temps les notifications de mails entrants qui font qu'il va y avoir des distractions supplémentaires. Et donc, au moins, vous allez vraiment canaliser ça, quoi. Si c'est pour des choses plus privées aussi, vous pouvez, et que vous cuisinez, eh bien, vous pouvez, en fait, travailler par lot en cuisine aussi. Vous pouvez vraiment vous organiser de faire les choses par lot. Si vous devez passer des coups de fil aussi, vous voyez, pour les passer l'un à la suite de l'autre, comme ça, vous pouvez vraiment y consacrer du temps et vous n'êtes pas interrompu par d'autres ou par 50 distractions. Si vous êtes plus dans l'art, comme ce que fait Virginie, donc Ninou aussi, eh bien, par exemple, tu pourrais préparer toutes tes couleurs ou tes lots de peinture, etc., ou tes patines à l'avance. Comme ça, au moins, il ne faut pas nettoyer 50 fois les pinceaux. Ça pourrait être aussi une idée. D'accord? Ah, je vois que Philippe nous a rejoint. Bonjour Philippe. Et donc là-dedans, évidemment, vous allez gagner un temps précieux et infini, hein, le fait de travailler par lot. Donc, on reprend, hein, sur nos priorités et puis vous travaillez par lot. Donc, ça, c'est le point 2. Et puis, le point 3, vraiment, pour pouvoir… Le point 3 qui est indispensable pour garder la tête hors de l'eau au bureau et vous créer un moral d'acier, eh bien, on en vient sur le point du moral d'acier, d'accord? C'est que souvent, dans les entreprises, il y a beaucoup de manque de signes de reconnaissance, d'accord? Eh bien, chacun est un petit peu… Mais chacun est un petit peu dans son coin, à essayer de se battre pour ses projets, pour atteindre ses objectifs, etc. Et puis c'est un petit peu, ou même souvent, c'est un peu la guerre à qui va pouvoir tirer son épingle du jeu, qui va pouvoir prendre la couverture à soi, etc., etc. Et ou bien il n'y a pas comment dirais-je, les bons rewards, les bons bonus pour les bonnes personnes, etc. Souvent, c'est très politique. Et donc, il y a beaucoup de frustration. On se sent amer, on se sent déçu, on a envie de claquer la porte par moment, etc.
Et par rapport à ça, à partir du moment où justement vous manquez de signes de reconnaissance ou de feedback positif de la part de vos pairs, de la part de vos collègues, de la part de votre hiérarchie, etc., ce que moi je vous propose de faire, c'est vraiment à partir du moment où vous avez bien identifié quelles sont vos priorités, bien identifié quelles sont en fait les tâches à haute valeur ajoutée et ce dans quoi vous excellez, d'accord? Eh bien, de mettre par écrit quels sont les bénéfices que vous retirez personnellement lorsque vous appliquez les points 1 et les points 2. Faites la liste, ok? Même si on a 3, même si on a 5, quels sont les bénéfices pour vous que vous retirez lorsque vous appliquez les points 1 et les points 2? Aussi, comment est-ce que vous vous sentez physiquement? Parce qu'il y a toute une chimie là à l'intérieur. À partir du moment où vous voyez quels sont les effets de levier supérieurs, il y a physiquement un changement au niveau de vos cellules. Okay? Notez aussi cette perception physique, en fait, hein, voilà, comment vous vous sentez à l'intérieur pour pouvoir clarifier ça. Et la raison pour laquelle c'est important de mettre les choses par écrit, c'est que le trajet de l'esprit au papier est clarificateur. Et donc, vous retirez beaucoup plus de bénéfices de mettre ça par écrit plutôt que de vous dire, oui, ok, c'est bon, je garde tout en tête, etc. D'accord? Et le point suivant là-dedans, c'est quelles sont les qualités que vous mettez en avant, vous, pour réaliser tout ça. Donc, pour réaliser votre point 1 et pour réaliser votre point 2, lorsque vous travaillez sur vos priorités et lorsque vous travaillez sur votre effet de levier, quelles sont les qualités que vous utilisez ou que vous mettez en avant pour réaliser ça? Notez-les et vous allez voir où je veux en venir. En quoi c'est important de les noter, justement? Comme je vous disais, le trajet de l'esprit au papier est clarificateur. Et la raison pour laquelle c'est important de les noter, c'est que vous allez avoir ces qualités juste en face de vous. Alors, vous pouvez être un petit peu radin avec vous-même et en noter 3. Vous pouvez être un peu plus généreux avec vous-même et en noter 5. Vous pouvez en noter 10. Vous pouvez en noter 15. Alors, surtout, allez-y parce que c'est important. On a plus tendance à se faire des belles listes de défauts plutôt que de magnifiques listes de qualités. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez découper en fait vos qualités, d'accord? Et vous allez faire des petits papillons. Et chaque jour, vous allez piocher un petit papillon. Et par exemple, vous pourriez avoir dans vos qualités, vous pourriez avoir agréable, vous pourriez avoir précis, vous pourriez avoir rigoureux, bienveillant, un bon esprit de synthèse, intuitif, populaire, etc., etc. Et donc, vraiment, faites votre liste. Et donc, comme je vous disais, vous en faites des petits papillons, vous les pliez, vous les mettez dans un petit bol, et chaque jour, en fait, vous allez en piocher une de ces qualités. OK? Alors, quel va être l'objectif par rapport à ça? Quel va être l'objectif de piocher les qualités? C'est que cette qualité-là, elle sera votre ligne de conduite pour la journée. D'accord? Donc, si votre ligne de conduite, c'est d'être rigoureux, eh bien, vous serez rigoureux sur ce que vous allez faire par rapport à vos 3 priorités de la journée. OK? Si c'est d'être bienveillant, eh bien, ce sera d'être bienveillant dans vos projets, d'être bienveillant avec autrui, mais surtout d'être bienveillant avec vous-même, parce que souvent on oublie d'être bienveillant avec soi. D'accord? Donc, on garde cette ligne de conduite-là en tête aussi, et ça nous permet, quand on a des frustrations extérieures, de se dire, de se reprendre en fait. Et de se dire, si par exemple vous entendez 2 collègues qui sont en train de réclamer, de râler, de critiquer, ok, moi j'ai, disons que votre qualité de la journée, ça va être la bienveillance, eh bien je ne m'en occupe pas, moi je suis bienveillante par rapport aux personnes qui sont agréables, par exemple, ou vous êtes bienveillant par rapport à vous-même.
Si c'est d'être bienveillant aussi, eh bien, lorsque vous êtes sur la route, si la route, si la circulation est un peu difficile, eh bien, plutôt que de s'exciter au volant, ce qui ne vous apportera rien, plus de frustration qu'autre chose, soyez bienveillant envers les usagers, soyez bienveillant surtout envers vous-même pour avoir un trajet cool et agréable. D'accord? Mais surtout, le bénéfice central à en retirer, c'est que vous allez être focalisé sur une seule chose, sur un seul comportement, et que les futilités resteront à distance et ne seront plus au devant de votre attention. Alors, c'est vraiment en pratiquant ça, qu'au fur et à mesure, on peut garder toutes ces frustrations à distance. Et donc, le fait de pouvoir mettre vos qualités en avant, ne fût-ce que pour vous-même, je peux vous assurer que pour le faire tester à mes clients, pour avoir du feedback de leur part, vraiment, très régulièrement par rapport à ça, ils me disent « Waouh !» Ils augmentent en fait leur confiance en eux, ils augmentent leur estime d'eux-mêmes et c'est un exercice qui est absolument génial. Et donc, ça vous aide à vous créer un moral d'acier. Est-ce que vous avez l'une ou l'autre petite question que vous voudriez partager ? Non, alors je continue. Ok. Ah, il y a Anne qui dit « je confirme ». Ça, c'est pour les qualités aussi. Hein. Donc, la synthèse des trois choses indispensables pour garder la tête hors de l'eau, au bureau et à la maison aussi, hein, et vous créez un moral d'acier, ça va être un, de gérer vos priorités. De deux, d'avoir un effet de levier qui va vous tirer vers le haut et donc de travailler par l'eau. Et ensuite, d'identifier quelles sont les qualités que vous allez exploiter au quotidien pour continuer à vous élever. Ça, c'est la synthèse. Alors, il y a des personnes qui me disent aussi régulièrement « Oui, mais tout ça, je connais, tout ça, en théorie, c'est super, etc. etc. » Mais le problème, c'est la mise en pratique. D'accord ? Il y en a d'autres pour qui la mise en pratique est très simple. C'est juste une piqûre de rappel et ceux-là, c'est génial. Ils sont sur les rails et c'est extraordinaire. Et puis, il y en a d'autres aussi qui disent « Oui, mais pour moi, c'est compliqué. Ça ne peut pas s'appliquer à mon cas, etc. » Et donc, là où moi, je vous demande vraiment de changer votre mindset aussi, c'est de vous dire « Tiens, par rapport à ma situation, avec toutes les informations que j'ai reçues, comment je peux adapter ça à, justement, à mon quotidien, à mon travail, à mon business, à mes projets, etc. D'accord ? Parce qu'on est tous différents, on a tous des objectifs différents et, bien entendu, on a tous des expériences différentes. Mais, ceci dit, on peut tous s'élever aussi de manière commune. Et donc, pour les personnes qui se disent « Ok, moi, j'aimerais bien avoir un peu plus d'informations ou quoi », ce que je peux vous proposer, c'est que si vous souhaitez tester une séance de coaching avec moi, eh bien, je vous offre une séance de coaching d'une valeur de 300 euros. Je vais vous mettre un lien, dès que j'ai terminé le live, en fait, dans les commentaires ici au-dessus, avec un document que vous pouvez remplir. Vous allez poser votre candidature et ensuite, je verrai si je peux vous aider. Donc, remplissez vraiment toutes les informations vous concernant. Expliquez-moi votre situation. Expliquez-moi où vous êtes, par exemple, en difficulté dans certains cas, etc. Et donc, moi, je pourrais voir comment je pourrais au mieux vous aider. Vous me laissez bien entendu vos coordonnées, votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et votre adresse mail. Vous verrez qu'il y a des champs qui sont réservés à ça. Et aussi, quel est votre degré de motivation pour tester cette séance de coaching que je vous offre. Et puis, moi, je serai ravie de pouvoir vous rencontrer et je vous dis à très bientôt, soit lors de la séance, soit dans un autre live. Bye bye.